Alors, mon parcours, il est un peu atypique. Comme je l'ai dit dans plusieurs autres interviews, j'ai commencé le foot à 16 ans. Déjà, j'ai commencé sur le tard. Et donc, du coup, j'ai commencé ma première licence en banlieue grenobloise, à Saint-Martin-d'Hères, en jeune, à Hébin. Ensuite, je suis allé en senior au FC Échirolles, où j'étais dans le groupe réserve tout d'abord. Ensuite, j'ai intégré le groupe CFA2 à l'époque, l'année d'après. Donc, j'ai fait deux saisons là-bas. Ensuite, au GF38, avec le groupe réserve aussi, en R2. J'ai intégré le groupe pro en octobre, enfin le groupe pro, le groupe CFA à l'époque aussi, en octobre. J'ai pu jouer quelques matchs avec le coach. Le coach, c'était Jean-Louis Garcia. L'année d'après, j'ai eu Olivier Guégan en CFA aussi. En 2017, à la mi-saison, je suis parti à Malte, en D1. J'ai effectué 3-4 matchs. Ça s'est un peu mal passé là-bas, donc je suis rentré, si vous voulez, en mars, sans club. Et en juin 2017, j'ai intégré l'équipe de Louhans Cuiseaux, où j'ai fait 3 saisons, dont une montée en N2. Enfin, c'était en N3, donc on est monté en N2. Et là, actuellement, au FCVB, depuis juin 2020. Alors en fait, la saison s'est arrêtée déjà à cause du Covid en mars. Donc le contact s'est fait tout de suite avec le coach directement. Donc j'ai eu l'occasion de jouer contre Villefranche en amical en janvier. Donc je pense que le coach m'a aussi vu jouer à ce moment-là. Et le contact s'est fait simplement via le coach directement. En un seul mot, comme ça, exigeant, je dirais. Chambreur, il y en a beaucoup. Si je dois sortir un nom comme ça, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a Martin Mimoun, il y a Terence Makengo qui est chambreur, il y a moi-même, hein, je pense. Mais non, franchement, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde. Actuel, mais si je te le dis, tu vas pas connaître. C'est une musique américaine. C'est designer, soupe. Soupe sans E, pas la soupe qu'on connaît. Les rituels, non, j'aime bien me mettre dans ma bulle, mettre de la musique. J'aime bien chauffer les gars aussi. Chauffer dans le sens du match. Et voilà, c'est tout. Hein. Pas de trucs particuliers, non. Bro, wanna text me and you know I let her do.